Hello tout le monde, c'est Elnora 22, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Dordogne, un jeu développé par Humanimation, un je ne sais quoi, et édité par Focus Entertainment. Installez-vous confortablement sur votre canapé, votre lit, votre chaise de bureau ou sur vos WC, peu importe. Let's go! Dordogne, c'est 31 succès trophées dont certains sont manquables. Aucune sélection de chapitres. Si vous en manquez un, il vous faudra tout recommencer depuis le début. Donc, suivez bien ce que je fais pour éviter cela, c'est très important. Allez, c'est parti! Quel est votre premier souvenir ? Le mien se passe quelques mois avant mon 13e anniversaire. Tout ce qui s'est passé avant a disparu. Disparu pour toujours. Je ne me souviens plus de rien. Il est temps maintenant de trouver notre toute première lettre. Il y en a 17 réparties sur les 8 chapitres. Chère Mimi, cette lettre risque de te surprendre. Ton père a décidé de couper les ponts avec moi, il y a 20 ans. Une décision que j'ai fini par comprendre, sans jamais l'accepter.
Cette lettre, c'est pour te dire au revoir. Quand tu la liras, je ne serai plus là. Je t'ai laissé quelque chose dans ma maison. Une boîte à souvenirs et une lettre. J'espère que tu aimes toujours autant t'amuser et partir à l'aventure, comme lors de ta dernière visite en Dordogne. À jamais auprès de toi, Nora. Alors, nous avons automatiquement obtenu la deuxième lettre, mais nous allons quand même la lire, histoire de comprendre, l'histoire, du coup. Ce qui est bien, c'est que les lettres se trouvent uniquement à l'aide de Mimi adulte. Le reste des collectibles se fait lorsqu'elle est enfant, donc ça va grandement nous aider. La troisième lettre, elle, se trouve dans la boîte aux lettres. Cette Mimi, c'est MacGyver parce qu'elle a toujours un tournevis dans son sac. Moi, personnellement, jamais, mais bon, elle, oui. Pour le prochain succès trophée, le noir est une couleur joyeuse, bon apparemment. Faites bien attention, il faut vraiment commencer par la cuisine et ensuite par le salon. Donc partez dans les mêmes directions que moi afin d'obtenir vos succès trophées.
Attends. Et il faut qu'elle se brosse les dents. Elle tente toujours d'y échapper. Fabrice, j'ai déjà élevé un enfant. Je suis contente qu'elle soit avec moi. Nous allons bien nous amuser toutes les deux. C'était avant notre déménagement aux États-Unis. 1982, je crois. On doit y aller. Mimi ? Mimi ? Oui ? Viens dire au revoir. Alors là, c'est parti. Avec Mimi Enfant, on va pouvoir récolter les stickers qui sont disséminés un petit peu partout durant les 8 chapitres, mais aussi faire des photos, enregistrer des sons, etc. etc. Donc, suivez bien effectivement ce que je fais, parce que, encore une fois, vu qu'il n'y a pas la sélection de chapitres à la fin du jeu, mais il faudra tout recommencer. Donc, voilà, soyez bien attentifs. De même, vous avez un succès trophée où vous devez amener Mimi faire ses besoins dans les WC tous les jours. Donc à chacun de ses réveils, pensez bien à ce que Mimi aille aux toilettes. C'est très important. Autre collectible, et pas des moindres, c'est la collection de mots. Oui, vous m'avez bien entendu, de mots. Vous verrez, chaque sticker, chaque son, chaque photo et chaque mot, en fait, vont vous servir à pouvoir écrire une page d'un journal. Mais bon, ça c'est peu important. Le plus important, c'est que vous avez un succès où vous devez trouver chacun des mots. Alors, évidemment que là, moi j'ai choisi ces mots-là, mais peu importe les mots que vous choisissez, du moment qu'en fait vous avez le nombre nécessaire à chacun des chapitres. Donc, peu importe le choix encore une fois,
Pensez juste bien à trouver tous les mots. Ici, vous allez pouvoir obtenir le succès trophée famille aimante. Et la condition, c'est que le papa tienne la main de la maman. Donc, dessinez le papa et ensuite faites en sorte que les mains des deux parents se touchent. Il faut pas dessiner là-dessus. On m'a dit un vieux truc et... Bien sûr que c'est vieux. Je l'avais avant la naissance de ton père. Je pensais que... Mais... Thank you.
Ah ouais, d'accord, elle met la bougie dans la poche. Bah, elle a peur de rien, elle, hein. Surtout pas de se brûler les fesses, apparemment. C'est bien, Mimi, c'est bien. C'est l'heure du petit-déj. Je me rappelle à quel point c'était difficile les premiers jours, loin de chez moi.
Le prochain succès trophée s'appelle règle numéro 1, le lait d'abord. Donc, effectivement, servez-vous du lait d'abord dans votre tasse et faites attention de ne pas en mettre partout. Très important.
Elle aurait dû se mettre à crier. Mais elle m'a simplement donné quelque chose. Mamie. Je voyais bien qu'elle se forçait à être aussi gentille avec moi. Je m'en souviens maintenant. Nous marchions vers la rivière. Elle parlait pas, perdue dans ses pensées. Mon père détestait quand moi aussi je faisais ça. Il devait sans doute ressentir la même chose pour sa mère. La rivière, les cailloux, l'eau très froide, la Dordogne. Vous avez plusieurs succès trophées à faire en lien avec un certain nombre de photos. Donc à chaque fois que cela est possible, utilisez les 10 pellicules.
Allez, c'est parti. Il est temps de montrer mon talent d'artiste. Des lettres du passé, des poèmes, des photos, des cartes postales. Hein ? C'est quoi ça ? Oh, ça doit être le chat de Nora. Peut-être qu'elle a faim. C'est quoi ce bruit? Je ferais mieux d'aller voir. Je vais t'aider. Arrête de bouger, toi. Salut, toi. Oula, non. Aïe. J'ai déjà été plus courageuse. Elle doit avoir faim. Et il me faut cette clé. J'adore le nom du prochain. Ça s'appelle Psst, trois fois donc. Et pour cela, vous devrez interagir 5 fois avec le chat.
Pour attirer le chat, pensez bien à lui donner les friandises faites maison. Qu'est-ce que c'est ? Oh, tu es debout. Je partais travailler un peu au jardin. Tu veux bien m'aider ? Ok. Il y a quoi dans cette pièce ? Rien d'intéressant pour toi. Habille-toi et viens dehors. Et brosse-moi donc ces dents. Oh. Zut.
suis pas très douée avec le dentifrice et la brosse à dents, moi. Cette maison, est-ce que je m'y plaisais? J'y venais, mais mon père et mamie se sont peu à peu éloignés l'un de l'autre. Je l'ai remarqué à l'époque. J'ai senti que quelque chose ne tournait pas rond, et ils en ont jamais parlé. C'est pour ça que je me rappelle pas cet été-là. Thank you.
En plantant la rose, vous obtenez un badge, mais je ne sais pas du tout si c'est la même chose pour le thym et la sauge, donc faites comme moi dans le doute, hein, plantez également une rose. Nous avons quitté la maison. Nous nous sommes promenés ensemble. C'était le bonheur. Donc là, pareil, faites 10 photos de tout et de n'importe quoi. Donc là, on va en profiter, on va pouvoir créer la page du troisième chapitre et puis notamment celle du chapitre 1. Thank you.
Nora a parlé de sa vie, de ses voyages. Elle avait laissé des morceaux d'elle ailleurs. Je l'aimais énormément. Je peux l'avouer désormais. J'adorais cette femme. Quelle intelligence, quel charme. Et oui, elle avait parfois un peu de tristesse dans le regard. Papa disait parfois que je ressemblais à Nora quand je rêvassais. Il détestait ça, évidemment. Il n'appréciait pas trop sa mère et il n'a jamais expliqué pourquoi. Hop, 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 hop. Donc là, on va aller voir chacun des marchands et chaque vendeur a forcément son lot de stickers ou de cassettes. Donc regardez bien.
Pour jeter U, vous devez attendre que le gamin se mette à siffler. Une fois qu'il le fait, vous devriez le voir courir en rond. Et c'est vraiment à ce moment-là que vous devez le prendre en photo. Regarde, tu as fait peur au voleur. Il a lâché son sac. Waouh, il y a tout ce qu'il a volé là-dedans. C'est drôle, mais j'ai l'impression qu'elle connaissait le voleur. Et si tu rapportais tous les objets volés? Je suis sûre qu'il serait ravi. Bonne idée. Merci, Mimi. Bien joué, Mimi. Rentrons maintenant. Je me rappelle bien le plaisir d'aider les autres, de donner de son temps pour autrui. Pourquoi j'ai oublié tout ça? Thank you.
Alors pour tireur d'élite, même si on tire sur rien du tout, hein, c'est comme avec le lait, il va falloir mettre de l'eau chaude dans la tasse sans en mettre partout. Pour trouver le code, c'est pas bien compliqué. Vous voyez, sur la radio, il y a des couleurs associées à une forme. Donc il vous suffit tout simplement de mettre les cassettes dans l'ordre de la séquence qui se trouve sur le lecteur.
sûr. Bonjour. N'oubliez pas, le mot d'ordre, c'est mitrailler avec votre appareil photo.
Trop bien. Pardon, la porte était ouverte et... Pas de problème. Cet endroit est... très particulier. Ton grand-père et moi nous en servions pour nous exprimer. Depuis sa mort, je l'ai gardé pour moi toute seule. C'est un peu comme un temple, si tu vois ce que je veux dire. Ce n'est pas très sain, je crois. Les lieux, les objets, ils devraient avoir plusieurs vies. Tout comme ce magnétophone que tu as trouvé. J'aurais dû demander. Peut-être, mais il est à toi maintenant. Est-ce que tu voudrais venir m'aider à réparer le kayak ? Oui ! Les lieux, les objets devraient avoir plusieurs vies. Alors on va revenir en arrière pour la simple et bonne raison qu'il faut absolument qu'on retourne au WC. N'oubliez pas de vous rendre aux toilettes une fois par jour avec Mimi Petite. Ok. Thank you.
Alors ici, il y aura deux sons à capturer, celui de l'eau et celui des montgolfières. Si comme moi, trop nul que je suis, vous en avez loupé un des deux, pas de panique, nous en avons un en réserve dans le dernier chapitre. Alors là, je suis en train de me dire que heureusement il n'y a pas de succès ou de trophée en lien avec le fait de ne rien toucher avec le kayak, parce que c'est clairement le cas, j'aurais rien eu du tout. Maintenant, passons à la météo dans le sud-ouest. Il fera encore chaud jusqu'à la fin de la semaine, avec des températures pouvant monter jusqu'à 36 degrés. Alors, profitez-en, parce qu'une dépression venue d'Angleterre va arriver dans quelques jours. Ah, on est bien. Oh, Saul, on est bien. Ah ouais, d'accord, il faut lui faire se lever les jambes l'une après l'autre. Elle est flemmarde à ce point-là, la Mimi. Allez, lève-toi!
Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que j'ai vu quelque chose dans la forêt. Je peux aller voir? Ce n'était sans doute qu'un chat, mais... Vas-y, pas de problème. Fais-toi plaisir. Merci. Yay! Alors ici, attention, il y a tout un panel de mots à découvrir lors de l'escalade de la montagne. Donc prenez vraiment le même cheminement que moi. Thank you.
Faudrait que je prenne une photo. Qu'est-ce que tu fais là? C'est chez moi, ici! Interdit d'accès. Mais t'es le voleur du marché, toi! Je suis pas un voleur. Redis jamais ça. J'emprunte, c'est tout. Tu empruntes? Vraiment? Je leur rendrai leurs affaires, avec des intérêts, quand j'aurai trouvé le trésor du coulobre. Le coulobre? Un dragon géant, qui dort au fond de la Dordogne. Il surveille un immense trésor. De quoi rembourser les gens du marché, bien sûr. Assez pour être apprécié de tout le monde, tu verras. Tu penses que t'as besoin d'aide? Pour trouver le trésor, je veux dire. De l'aide? Tu viens de la ville, c'est ça? Comment une fille de la ville pourrait m'aider à trouver le coulobre? Je suis une aventurière! Ha! Me fais pas rire. Si j'étais pas une aventurière, je serais sûrement pas montée ici toute seule. D'accord. D'accord. Il faudrait peut-être que je te teste. Me tester? Il y a une énigme là-dedans. Si tu la résous, je verrai si t'es digne de confiance, citadine. Mais d'abord, attrape! Mimi, tout va bien? Oui, oui, ça va. Mais pourquoi t'as fait... Il est plus là. On se retrouve dans mon antre secret demain, si tu résous mon énigme. Thank you.
Pour vous la faire courte, vous voyez que sur chaque petit bout d'autocollant, il y a des morceaux de dessin. Donc, ça va vous donner un indice de quoi va où. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve très vite pour la suite des aventures de Mimi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un pouce vers le haut sur la vidéo ou à commenter. Je réponds toujours très volontiers à vos questions. Rejoignez-moi sur Twitch, je suis également sur Twitter. On se retrouve très bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.